Monsieur le député Garnier-Vickerson. Monsieur le député Geste-Yvon. Monsieur le député Geste-Yvon. Monsieur le député Guérard-Guerchon. Monsieur le député Guerrier-Hiverneau. Monsieur le député Guerrier-Jacquie. Monsieur le député Guerville-Wilner. Monsieur le sénateur Francenet-Denius. Monsieur le sénateur Patrice Dumont. Madame la sénatrice Dieudonne Lumain-Étienne. Monsieur le député Guillaume-Claude Luc. Monsieur le député Guillaume-Claude Luc. Monsieur le député Hippolyte Jean Wilson. Monsieur le député Jacques Dulaurier. Monsieur le député Jean Astel. Monsieur le député Jean Astel. Monsieur le député Jean-Gabriel Lionel. Monsieur le député Jean-Jude. Monsieur le député Jean-Philippe Quetel. Monsieur le député Jean-Philippe Quetel. Monsieur le député Joseph Fils. Monsieur le député Julien Pierre Féquière. Monsieur le député Jules Mise Jacques. Monsieur le député Laguerre Joseph Benoît. Monsieur le député Latortue Jacob. Monsieur le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière. Monsieur le sénateur Richard Lénine Hervé Faucan. Monsieur le sénateur Jacques Sauveur Jean. Monsieur le député Lauture Franck. Monsieur le député Luton Daniel. Monsieur le député Lochard Jean-René. Monsieur le député Loiseau Kirolo. Monsieur le député Louis Frandi. Monsieur le député Louis-Joseph Manès. Monsieur le député Louis Jovenel. Monsieur le député Luméran Jean-Marcel. Monsieur le député Luméran Jean-Marcel. Madame la députée Lundi Saint-Jean-Marie Gladys. Monsieur le député Mathieu Vilma. Monsieur le député Mathurin Smith. Monsieur le député Morancy Freud. Monsieur le député Mercredi Jean Bénissois. Monsieur le député Mercredi Jean Bénissois. Monsieur le sénateur, au nom de lui. Monsieur le sénateur Sorel Jacinthe. Monsieur le sénateur Larèche-Ronal. Monsieur le sénateur Larèche-Ronal. Monsieur le député Millien Roger. Monsieur le député Millien Roger. Monsieur le député Moïse Jean-Michel.
Monsieur le député Noël Saint-Baudelaire. Monsieur le député Norzéus Patrick. Monsieur le député Olivier Ruinchel. Monsieur le député Austin Pierre-Louis. Monsieur le député Papillon-Wolf. Monsieur le député Parvillus Philippe. Monsieur le député Paul Lorméus Gérard. Monsieur le député Périllus Roms. Monsieur le député Petit Frère Elians. Monsieur le député Petit Frère Elians. Monsieur le député Pierre Belange. Monsieur le député Pierre-Claude Leslie. Monsieur le sénateur Yuri La Tortue. Monsieur le sénateur Narun Marcellus. Monsieur le sénateur Ricard Pierre. Monsieur le sénateur Juanic Pierre. Monsieur le sénateur Juanic Pierre. Monsieur le député Pierre Lemaire. Monsieur le député Pierre Micaler. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Premier Leman. Monsieur le député Printemps Bélisère. Monsieur le député Prophète Esaïe. Monsieur le député Raphaël Salem. Monsieur le député Raphaël Salem. Madame la députée Rival Raymond. Monsieur le député Robert Clovy. Monsieur le député Rube Jacquelin. Monsieur le député, c'est Fort Denis. Monsieur le député, c'est Louis-Michel Jacques. Monsieur le député, c'est Jean Gérard. Monsieur le sénateur Wilfried Gélin. Monsieur le sénateur Sildor Pierre-François. Monsieur le sénateur Salomon Jean-Marie Junior. Monsieur le sénateur Sénatus Jean Renel. Monsieur le député Semerzier Joël. Monsieur le député Sinal Bertrand. Monsieur le député Smith Romial. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tardieu Djeri. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Toussaint Ronald. Monsieur le député Toussaint Ronald. Monsieur le député Vériquet Joseph Antonio. Monsieur le député Victor Profane. Monsieur le député Ville-Paul Herman. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 24 sénateurs. 99 députés.
Le quorum étant constaté, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Je demande donc au sénateur Dieupie Chérubin de bien vouloir nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Projet d'ordre du jour. Lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution. Présentation des bilans des travaux législatifs de chacune des deux chambres du Parlement. Discours du président de l'Assemblée nationale. Proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 par le président de l'Assemblée nationale. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. L'ordre du jour, tel que lu par le premier secrétaire, est mis en discussion. En discussion, une dernière fois mis en discussion. Premier secrétaire Gerda, veuillez donner lecture du point 1 de l'ordre du jour. Lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution. Premier secrétaire. Je vais donner lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution amendée de 87. Constitution amendée de 1987, article 98. La réunion en une seule assemblée des deux branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée nationale. 98.1. L'Assemblée nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. Point 2 de l'ordre du jour, deuxième secrétaire. Secrétaire Gerda. Présentation des bilans des travaux législatifs de chacune des deux branches du Parlement. Eh bien, je demande donc à la secrétaire député Gerda Benjamin de bien vouloir nous donner lecture du bilan des travaux législatifs de la Chambre des députés. Bilan de la première session législative 2018, 8 janvier, 14 mai 2018. Séance en Assemblée nationale. Le lundi 9 janvier 2018 a eu lieu la première séance en Assemblée nationale de l'année législative 2018. À cette occasion, la première session ordinaire a été ouverte suite au discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Youri Latortue. Le premier ministre, Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, a présenté le bilan des actions de son gouvernement. Enfin, le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, a délivré un message où il a fait état de la situation générale du pays. Le lundi 14 mai 2017, ramène la clôture de la première session législative 2018. Conférence des présidents. Au cours de la première session 2018, la Chambre des députés a organisé 5 conférences des présidents afin de fixer le menu
des séances et de discuter de questions d'intérêt public. Séance plénière. La Chambre des députés a tenu un total de 24 séances plénières au cours desquelles les honorables députés ont pris les décisions suivantes. Séance du 10 janvier 2018. Les députés ont procédé à l'élection d'un nouveau bureau composé comme suit. L'honorable Garibodo, président. L'honorable Caleb Desrameaux, vice-président aux séances. L'honorable Myriam Amilcar, vice-président aux affaires administratives. Honorable Jean-Willer Jean, premier secrétaire. Honorable Gerda B. Benjamin Alexandre, deuxième secrétaire. Honorable Anous Bernard, questeur. Honorable Louis-Marie Bonhomme, vice-questeur. À la séance du 16 janvier 2018, 4 blocs politiques se sont inscrits. Il s'agit de groupe parlementaire à l'écoute du peuple, GPEP, 12 membres. Alliance des parlementaires pour Haïti, APH, 71 membres. Bloc des députés de Vérité, OPL et Alliés, 17 membres. Groupe des parlementaires pour la stabilité, GPS, 13 membres. À la séance du jeudi 18 janvier, les débats autour de la formation des commissions permanentes se sont poursuivis. À la séance du mardi 30 janvier, les noms de 15 présidents de commissions permanentes furent donnés. Puis, les présidents de blocs politiques ont été envoyés en consultation pour trouver une entente sur les 5 autres. Le 6 février 2017, le bureau a procédé en séance plénière à la formation de la commission bicamérale de décharge et de la commission spéciale des comptes. Elles sont ainsi composées. Commission spéciale chargée d'octroyer des charges aux hauts fonctionnaires de l'État composée de député Jean-Wilson Hippolyte, député Profane Victor, député Joseph Benoît Laguerre, député Louis Romel Boger, député Jean-Robert Bossé, député Otney Alcide, député Joseph Manès Louis, député Jean-Benoît Guerrier, député Jean-Willer Jean. Commission spéciale des comptes. Député Jean-Michel Moïse, député Antoine Alfredo Junior, député Pierre-Louis Austin, député Wilner Guerville, député Baudelaire Noël Saint, député Smith Mathurin, député Winchel Olivier. 3 autres commissions spéciales ont été aussi formées. Commission spéciale pour la protection des consommateurs, député spécial sur l'évaluation des services publics, commission spéciale sur le contrôle de la qualité des eaux d'assainissement. À la séance du 20 février 2018, l'Assemblée des députés a accordé un vote favorable au projet de loi de la Commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation autour du projet de loi instituant la carte d'identification nationale unique CINU. Et sur la protection des données personnelles, les visas, les considérants ainsi que les articles 1 et 2 du dit projet de loi sont également votés. La présence du ministre concerné est exigée par l'Assemblée pour la poursuite du vote. Ensuite, le rapport de la Commission justice
droits humains et sécurité publique autour du projet de loi sur l'assistance légale fut présenté et les discussions y relatives entamées. À la séance du 21 février 2018, les discussions autour du rapport de la Commission Justice, droits humains et sécurité publique autour du projet de loi sur l'assistance légale se sont poursuivies. Le rapport ainsi que le projet de loi furent votés favorablement. Il est à noter que le libellé du projet de loi est changé en projet de loi sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Centre national d'assistance judiciaire, CENAJ. Au cours de la séance du 22 février 2018, le rapport de la Commission enseignement supérieur et recherche autour du projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur a été voté. De plus, les visas, considérants et articles 1 à 4 sont votés. Puis, les députés ont réclamé la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avant de continuer avec le vote article par article du dit projet de loi. À la séance du 27 février 2018, l'ensemble du projet de loi portant l'organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur fut voté. Le ministre de l'Éducation était présent pour défendre le projet de loi. À la séance du 28 février 2018, il était question de poursuivre avec le vote du projet de loi instituant la carte d'identification nationale unique, CINU, et sur la protection des données personnelles. Malgré la présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le projet de loi fut à nouveau renvoyé par l'Assemblée qui réclame de la Commission et du ministre une meilleure assimilation du texte. Par ailleurs, passant aux questions d'intérêt général, beaucoup de points furent débattus. Au cours de la séance du 1er mars 2018, le rapport de la Commission enseignement supérieur et recherche autour du projet de loi organisant l'Agence nationale de l'enseignement supérieur est présenté. Le quorum a été infirmé en cours de débat. Le 6 mars, les discussions autour du rapport de la Commission enseignement supérieur et recherche relatif au projet de loi organisant l'Agence nationale de l'enseignement supérieur ont été reprises. Le 7 mars 2018, le rapport de la Commission enseignement supérieur et recherche relative au projet de loi organisant l'Agence nationale de l'enseignement supérieur a finalement été voté. Le dit projet de loi a été également adopté. Le 8 mars 2018, le rapport conjoint des commissions économiques, finances et budget et enseignement supérieur et recherche autour de la proposition de loi portant crédit étudiant est présenté. Après maintes discussions, la séance a été mise en continuation à cause de l'infirmation du quorum. À la séance du 13 mars 2018, la Commission Affaires sociales, Travail et Famille a présenté son rapport autour du projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti. Suite au débat, l'Assemblée demande à la Commission de revoir son rapport. Par ailleurs, aux questions d'intérêt général, les députés ont soulevé des points qui ont conduit à la création de deux commissions d'enquête. La commission spéciale chargée d'enquêter sur le climat de sécurité qui sévit à Akin et à Torbeck.
la commission spéciale chargée d'enquêter sur le refoulement massif et brutal des Haïtiens de Pédernal à Ansapitre par l'armée dominicaine. Lors de la séance du 14 mars 2018, la commission Affaires sociales, travail et famille a présenté son nouveau rapport autour du projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti. Le quorum est affirmé au cours de la discussion. Lors de la séance du 21 mars 2018, le quorum est affirmé pendant la discussion autour de la proposition d'ordre du jour. La séance du 22 mars est aussi avortée. À la séance du 27 mars 2018, l'Assemblée a reçu l'exposé des motifs et dépôt des propositions de loi suivantes. Proposition de loi sur la pension civile de retraite pour les non-salariés par le député Woody Deville. La proposition de loi porte création, organisation et fonctionnement des chambres d'agriculture par le député Myriam Amilcar. Proposition de loi sur l'administration territoriale de l'État par le député Baudelaire Noël Saint. Elle a aussi accordé un vote favorable au rapport et au projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti. Le projet de loi instituant la carte d'identification nationale unique, CINU, et sur la protection des données personnelles est revenu à l'ordre du jour de la séance du 10 avril 2018. Trois nouveaux articles, 2, 3, 4, ont été votés. La présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique est une nouvelle fois réclamée. Le dit projet de loi est donc écarté jusqu'à ce que le ministre soit en mesure de le défendre. À la séance du 17 avril 2018, les textes suivants ont été sanctionnés. Le rapport de la Commission Travaux publics, Infrastructures, Transport et communication autour du projet de loi régissant le secteur de l'eau et portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques, ANARI, a été voté. Le rapport de la commission spéciale d'enquête sur les événements survenus entre les populations d'Ansapitre et Pédernal a été présenté. Il sera envoyé à l'exécutif. La présentation de la résolution portant sur la situation socio-économique des paysans de la vallée de l'Artibonite, elle est rejetée pour vice de procédure. Présentation du rapport de la Commission justice, droits humains et sécurité publique sur la proposition de loi portant révision du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne, le dit rapport est renvoyé en commission. Présentation du rapport de la Commission économique, finances et budget autour du projet de loi sur la dette publique. La présence du ministre concerné est exigée. Le 18 avril 2018, l'Assemblée des députés s'est réunie en séance plénière et a voté le projet de loi régissant le secteur de l'eau et portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques, ANARI. Le 19 avril 2018, la Commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation a présenté le rapport de la commission, le rapport de la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes. L'exposé des motifs
et le rapport des deux propositions de loi suivantes ont été effectués lors de la séance du 8 mai 2018. Proposition de loi organisant le transfert de la gestion des systèmes irrigation aux associations irrigantes régulièrement constituées par le député Samuel d'Haïti. Proposition de loi sur la protection des enfants adoptés par le député féricain Joseph Antonio. Par la même occasion, l'Assemblée a voté des textes suivants. Les objections du président de la République autour de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et l'expérience professionnelle, RVAEP. Le rapport de la Commission Santé publique et population sur le projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmières et infirmiers, ainsi que le projet de loi. Le rapport de la Commission Culture et Communication sur les modifications apportées par le Sénat de la République autour de la proposition de loi relative à la promotion de la culture. Les dites Le rapport de la Commission Culture et Communication sur les modifications apportées par le Sénat de la République autour de la proposition de loi relative à la promotion de la culture. Les dites modifications également. Et enfin, le rapporteur de la Commission Affaires sociales, Travail et Famille a présenté le rapport de la proposition de loi sur le salaire et le traitement des policiers. Lors de la séance du 9 mai 2018, le rapport de la Commission Affaires sociales, Travail et Famille autour de la proposition de loi sur le salaire et le traitement des policiers fut voté. Les visas et considérants de la dite proposition de loi ont été également votés. Au terme des discussions sur l'article 1er, l'Assemblée a décidé de retirer le texte en débat parce qu'il ne respecte pas les prescrits de l'article 111.2 de la Constitution en vigueur. Puis, la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique présente son rapport relatif à la proposition de loi portant révision du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne. En cours de débat, la Commission demande un sursis pour la révision du rapport. Rencontre des commissions. Le 6 mars 2018, la Commission Affaires sociales, Travail et Famille a rencontré le ministre des Affaires sociales accompagné du directeur général du ministère et du directeur de l'Office national de la migration, ONM, autour des thèmes suivants. Conflit administratif entre le directeur général et ses employés. La migration en Haïti, le problème existant au sein de l'ONM. Le 8 mars 2018, la Commission éducation nationale et formation professionnelle a rencontré le ministre Josué Agenor-Cadet sur les thèmes suivants. La crise qui perdure dans les universités publiques, le dossier de nomination des enseignants, l'évaluation des programmes, la crise dans les écoles professionnelles, le rapport complet des chèques sinécure. Rencontre de la Commission Commerce et Industrie avec le ministre du Commerce et de l'Industrie le 13 mars 2018
sur la problématique de la contrebande, l'état d'application de la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre des 213 produits dominicains. Les impacts économiques de l'arrêté interdiction du 28 février 2018 sur les devises étrangères. Le ministre de l'Agriculture et le directeur général de l'ODVA ont rencontré le 15 mars 2018 la Commission Agriculture et Sécurité Alimentaire sur les points suivants. La crise d'eau dans les parcelles rizicoles dans la vallée de l'Ortibonite. L'action des ravageurs dans les plantations des paysans. L'introduction des deux variétés de semences de riz, Jasmine 85 et OM69-76, venant du Vietnam, distribué par le directeur général de la NATCOM dans les proches rizicoles du pays. Toujours le 15 mars 2018, un groupe de députés a rencontré les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Environnement et des Travaux publics, Transport et Communication, accompagnés du directeur général de la DINEPA, sur les propos de ministres dominicains selon lesquels plus de 80% de la population haïtienne consomme de l'eau puisée dans des latrines. Le 21 mars 2018, le ministre de la Culture a rencontré la Commission Culture et Communication autour des points suivants. Le rapport du Carnaval 2017. Le rapport du Carnaval 2018. Le rapport de la festivité Rara 2017-2018. Le rapport de la commémoration du 17 octobre 2017. Le rapport de la fête de la Toussaint et du jour des morts les 1er et 2 novembre 2017. Le ministre de l'Économie et des Finances accompagné des directeurs généraux de la DGI, de la GD, de la PN, du BMPAD, du DGB et du coordonnateur de la commission technique de restauration de l'ORAVCT a répondu à l'invitation de la commission de l'économie et des finances le 4 avril 2018 sur les points suivants. L'état d'évolution de la situation économique et financière du pays. L'état des lieux des institutions publiques telles que la DGI, la GD, le BMPAD, l'OAVCT et la PN ainsi que leur performance. Le niveau d'exécution du budget d'investissement et de fonctionnement ainsi que le résumé des dépenses effectuées par chaque ministère. L'état d'avancement de la préparation du budget 2018-2019 et le budget rectificatif en cours. L'état des lieux du Petro-Caribé. La situation de la dette publique. Le 25 avril 2018, le ministre de la Défense a rencontré la Commission des Défenses et de développement frontalier sur une éventuelle loi d'application sur le fonctionnement des forces armées d'Haïti. La dernière note de presse signée par le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, FADH. La dernière note de presse signée par le processus de recrutement des jeunes agressiers, les besoins urgents du dit ministère dans le cadre du budget rectificatif 2017-2018. Enquête sur le terrain. Deux commissions spéciales se sont rendues sur le terrain en vue d'enquêter sur la situation des rapatriés dans la commune de Lansapite, dans le département du Sud-Est, du 16 au 18 mars 2018.
Le rapport d'enquête a été présenté à l'Assemblée en séance plénière et sera renvoyé à l'exécutif pour des suites utiles. Tableau récapitulatif. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24, projet de loi voté 6, proposition de loi votée 1, objection du président de la République 1, proposition de loi transmise 3, proposition de loi déposée 5, proposition de loi transmise et non encore déposée 6, proposition de loi transmise par le Sénat 1, instruments internationaux transmis 7, rapport préparé par les commissions 25, rapport voté 10, rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4, résolution déposée 1, rencontre des commissions permanentes 10, atelier de travail des commissions permanentes 2, enquête sur le terrain 4, visite du bureau 21, députation externe 12. Merci. Merci, député Guerda, pour la lecture du bilan des travaux législatifs réalisés, bien sûr, par la Chambre des députés durant cette première session législative. La parole maintenant va être accordée au sénateur Dieupiché Rubin qui va nous présenter celui du Sénat de la République. Sénateur Dieupiché Rubin. Bilan des activités législatives réalisées par les sénateurs au cours de la première session ordinaire de l'année législative 2018, du 8 janvier au 11 mai 2018. Au cours de cette session, le Sénat a réalisé les travaux suivants. Séance en Assemblée nationale. Au terme des articles 98, 98.1 et 104 de la Constitution en vigueur, la session désigne le temps pendant lequel les assemblées parlementaires peuvent se réunir en séance plénière. Le Parlement étant bicaméral, le régime des sessions ne s'applique qu'à la Chambre des députés. Le Sénat siège en permanence conformément à l'article 95.1 de la loi mère. Les temps forts de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 ont été les suivants. Déclaration de la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année législative 2017. Déclaration d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2018. Discours du président de l'Assemblée nationale. Lecture des bilans des travaux législatifs de chacune des deux chambres. Lecture et dépôt du bilan des activités du gouvernement par le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Exposé de la situation du pays par le chef de l'État, Son Excellence Jovenel Moïse. Conférence des présidents. Conformément aux articles 163 et 164 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents a pour fonction de préparer l'organisation du travail parlementaire, de fixer le calendrier et l'examen de la session générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour. Pour remplir cette fonction, 6 rencontres de travail avec les présidents des commissions permanentes et les présidents des blocs parlementaires ont eu lieu aux dates suivantes. Jeudi 11 janvier 2018, rencontre spéciale. Jeudi 18 janvier, lundi 5 février, lundi 5 mars, lundi 2 avril, lundi 7 mai. Temps fort de l'activité parlementaire. La séance plénière est le moment de la session de la décision du Sénat sur tous les sujets soumis à son examen. La publicité des débats de la séance plénière est un moment fort de la tradition parlementaire haïtienne et permet à tout citoyen de connaître et de mieux comprendre les décisions prises au nom de la nation. Au cours de la première session législative 2018,
Les travaux ci-dessous mentionnés sont réalisés. S'il vous plaît, député Aoudon, s'il vous plaît. Merci bien. Continuez, premier secrétaire. Mardi 9 janvier 2018, élection, validation et présentation de serment des nouveaux membres du bureau du Sénat ainsi composé. Sénateur Joseph Lambert, président. Sénateur Pierre-François Sildor, vice-président. Sénateur Honon-Dieu-Louis Questeur. Sénateur Dieupi Chérubin, premier secrétaire. Sénateur Willow Joseph, deuxième secrétaire. Mardi 16 janvier 2018, discussion et vote des amendements au règlement intérieur du Sénat. Élection d'un vice-questeur en la personne du sénateur Wilfried Gelin. Mardi 23 janvier 2018, validation des présidents des 15 commissions permanentes. Mercredi 24 janvier 2018, formation de la commission des comptes généraux et de décharges ainsi composée. Sénateur Kedler Augustin, sénateur Évalier Beauplan, sénateur Ronnie Célestin, sénateur Francenaire Denéus, sénatrice Dieudonne Luma Étienne, sénateur Ronald Larèche. Jeudi 25 janvier 2018, procès-verbal de carence en application de l'article 67 du règlement intérieur du Sénat. Mardi 30 janvier 2018, continuation du vote du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité. Mercredi 31 janvier 2018, débat sur le rapport d'approfondissement de la commission sénatoriale spéciale relatif à la gestion du fonds Petro-Caribé. Jeudi 1er février 2018, adoption de la résolution du Sénat demandant à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'effectuer un examen approfondi de la gestion des fonds Petro-Caribé sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. Vote en continuation du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale et du dite commune ou municipalité. Mardi 6 février 2018, discussion à huis clos sur le vote de la résolution relative à la gestion du fonds Petro-Caribé. Mardi 20 février 2018, séance suspendue, quorum infirmé. Jeudi 22 février 2018, procès verbal de carence en application de l'article 67 du règlement intérieur du Sénat. Mardi 27 février 2018, séance suspendue par le président du bureau. Mardi 20 mars 2018, transmission aux commissions permanentes ci-dessous, mentionnée.